rapport. Pardon, Exode chapitre 20. Exode 20. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Versets 1 et 2. Yep. Il y a ça, je vais vous montrer. Voilà. Où est-ce que nous là? Ça va avoir aucun rapport avec les nations. Et ça n'a pas là. Et c'est but de ça. Pour montrer, 10 commandements n'ont aucun rapport avec les nations, sinon qu'à Israël. Et Israël seul. Et Israël, celle-là, nous parle là-dedans. Personne ne va. Seule nation d'Israël. Maintenant, selon lecture où sont fait là et où sont tendés là dans l'Exode 20, mais remarque n'a pas fait. C'est une question de allez bien, oui. Je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Regardez bien. En partant, phrase la montrer, bon Dieu pas t'adresser message li aux nations. Comment? Il est question, je suis l'Éternel, ton Dieu, et pas votre Dieu. Bon raison, fait pas votre Dieu. Ton Dieu, qui t'a fait, t'es apostrophe. Bon Dieu va plus sort passer pour le tabaler, c'est aux nations, pour le dire tu, pour le dire toi. C'est Adventiste qui sortit pour faire bon Dieu sorte. Mais bon Dieu va sorte. Ils comprennent, tendez-moi avec intérêt. Comme je ne vais pas ramener devant, je vais faire une route pour passer. Pas les suivre, si vous êtes au Calvini, ou pas capable. Regardez bien, ton Dieu, pas votre Dieu, qui t'a fait sortir, t'es apostrophe, et pas votre. Comprenez bien. Il est question de faire sortir dans le pays Égypte. Comment pour expliquer ça? Comment pour expliquer ça en long et en large? D'abord, il est question de l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir du pays d'Égypte. Souligner Égypte, c'est pour une parabole liée. C'est pour un bagage symbolique. Littéralement, peuple sorti en Égypte. Genèse chapitre 15 pour expliquer ça. Genèse 15, pour expliquer ça. Verset 13 à 16. Allez. Prends son et puis tendez-moi. Dès qu'il s'amie, pour montrer où a fait Égypte là, sorti en Égypte là, c'est pour une parabole. C'est pour un symbole. Son réalité. Son vérité. Et bon maquillage. Allez. Genèse chapitre 15. Verset 13 à 16. J'espère que vous avez une Bible qui ouvre avec un darmen au lit ensemble. Genèse chapitre 15, verset 13, verset 16. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Voilà.
iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Okay. Enterré après une heureuse vieillesse. Yeah. Verset 16, à la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Allez bien. Pour comprendre ça, on lit à la. Et pas tant qu'on adventiste. C'est pour référer au. Juste dans Genèse chapitre 12. Où est l'Exode? Pour me comprendre ça, je me référer dans Genèse chapitre 12 que pasteur Desrosiers parle lui. 12. Pasteur Desrosiers, lit verset à l'hôtel, ou prend l'île. Attendez bien. Où est là, il est question de un peuple que bon Dieu dit à Abraham lorsqu'il te fait l'appel. Peuple ça pas comme même né, Israël pour qu'on né. Bon Dieu dit, il prend le faire une grande nation, nation pour qu'on né. Elle tout dit nation ça lorsqu'elle va né. Pays côté moi Abraham, peuple ça pas grandi là, il prend grandi. L'on pays étranger côté pas pral renni esclave pendant 400 ans. Ça veut dire Abraham beaucoup même qui te pays non. Pas rien oui le bon Dieu dit ça. OK. Maintenant est-ce que ça t'est fait? OK. Ça Mexico là. Placez-le maintenant devant Exode chapitre 20. Allez, verset 2, n'a pas tourné là-dedans. Non, oui, Genèse 2. Non, Exode 20, verset 2. Où mettre qui ça me dit tout à l'heure là? Allez, Genèse. Je suis. Exode 20. Verset 2. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Ya. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte de la maison des servitudes. Voilà. Ça veut dire, ça, mon Dieu, t'a dit. Te promettre Abraham non qu'on y a mal accompli. Peuple ça bon Dieu te dit je ferai de toi une grande nation. Ou a passé la passé 430 ans esclavage là. Moment arrivé mais peuple a tourné vrai après 430 ans qu'on y a même bon Dieu a bal la loi. Après 430 ans. Même bêtise adventiste a répété pendant des siècles là. Allez bien. Maintenant, peuple là, allez. Jean bon Dieu te dit à lui retourner. En grande nation, Jean l'Éternel te dit là. Je ferai de toi, dans Genèse chapitre 12, une grande nation. Cette grande nation n'est pas américaine, n'est pas haïtienne, n'est pas dominée. Enfin, aucune autre nation qui va citer sous la terre que Israël, Israël seul. Est-ce qu'on t'en aime bien, Mia? Ok. Maintenant, il n'y a pas loin pour Adventiste. C'est pour venir moi là, devant, pour Chita ou Chita. Cependant, son j'aime d'eau. Depuis son grain qui vient, je ne vais pas parler. C'est un pile qui vous venir. Maintenant, ça bon Dieu te dit, hein? Les fêtes, les pral bal, la loi, mais le peuple a tourné, c'est pourquoi il dit tu, il va dire vous. Ça me dit bon Dieu a adressé lui à une nation. C'est pourquoi il dit tu, il dit ton Dieu, il va dit votre Dieu, pas de l'autre nation qui a fourré là. Que Israël, Israël seul. Voilà. Bon. Maintenant, ça veut dire que tu prends premier, deuxième commandement là. Si nous n'aurons pas d'autres dieux devant en face, je vais tourner sous Baïsa. Un commandement. D'abord, bon, nous allons sauter ça et je vais faire des décisions. Attendez bien. Quand l'Éternel te dit, et Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant face, tu ne feras
point d'image taillé, mais tout le monde connaît t'es des chérubins qui t'est fait de serpent de rein. Me sauter ça yo m'a tourné vers ça 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 me quitter pour adventiste venir m'expliquer son j'aime qu'on adventiste attendez et pas de loin pour été pour venir moi là en présence nous. Et c'est ça que fait si j'aime n'a pas manqué sens, oui. Pas de adversaire qui attend de ou là pour camper poser des questions. Ok. Maintenant, moi tombé dans troisième question. Verset 3. Non. Troisième question. Toujours. La troisième Exode 20, oui. Troisième question. Allez. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant la place. Tu ne posteras en elle. Ah oui, oui, oui. C'est lui m'expliquer. Ça ne va pas faire lecture. Tu ne posteras pas devant, c'est même lui-même. Il y a même lui-même, non. Ok. Ok, verset 7. Ok. Verset 7. Allez. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni. Pasteur dit, Nombre chapitre 30, cherchez pour moi. Nombre 30. Tendez bien l'église. Troisième commandement. Exode 20. Que bon Dieu te baille à qui nation? À Israël là, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Soulignez bien, d'abord, bon Dieu en façon foule, et puis il ne va pas dire vous, mais il dit tu. Tu ici remplace une nation. C'est pour aucun monde ne va venir fouer corps là-dedans, il ne fait si magri, parce que ça sont promesses que bon Dieu t'a fait à Abraham. Je ferai de toi des nations, c'est ça? Non, c'est qui ça? Une, c'est pas des. Regardez les gens de poil là-dedans, d'où sont pas de sortes, toi, sort. Et sous tes sortes, toi, puissant. Regardez bien. Quand bon Dieu dit, ou prend chapitre 2 là, quand bon Dieu dit Israël, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, ça veut dire pingo forcément. Pas sémenté. Attendez bien. Soulier en vain. Soulier en vain. Ça veut dire, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Le nombre. Chapitre combien? 30, verset 3. Prends ça pour moi. Nombre, chapitre 30, verset 3. Yeah. Lorsqu'une femme, dans sa jeunesse, Nombre, chapitre 30, verset 3. Ouais. Moi, j'ai une Bible d'études dans même. Nombre, chapitre 30, verset 3. Il est possible pour la C, verset 2. Moi, ça m'a pris à la. Mais bah, ça. Nombre chapitre 30, verset 3. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, par là, verset 4 là, lui-même dit, lorsqu'une femme, avec sa jeunesse et à la maison de son père, parfois, pour fera un vœu à l'Éternel. Ok, allez, relis ça. Mais verset 3 dit, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment, pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Okay. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Lorsqu'une femme dans sa jeunesse, Zacharie 8, verset 17, à la maison de son père, fera un vœu à l'Éternel, un vœu, et se liera par un engagement. Yeah. Ok. Regardez bien. Israël va avoir un commandement qui dit le pingal sémenté. Regardez ça bien là.
commandement Israël n'a pas dit le bingal s'est menti. Absolument. Non. Commandement Israël l'a dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Ça veut dire, en cas où on est pas vrai. Pas fait bail comme ça. Mais depuis le qu'on sait vrai, il y a un droit de mentir. Dans Zacharie chapitre 8, verset. Faut suivre la Bible. Nous négligeons trois plans Bible. Verset 17. Allez-moi. Il dit que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain et n'aimait pas le faux serment, car ce sont là toutes les choses que je hais, dit l'Éternel. Vous entendez? Faux serment. Zacharie chapitre 8, verset 17. Israël, pas de bon loi devant qui dit le bingal s'est menti. Mais pas fait faux serment. Ça veut dire en cas c'est vrai. Placez ça maintenant devant Matthieu chapitre 5. Pour eux. M'batap, exemple ça concernant. Même. Si un homme qui gagne 18 000 dollars, on fait cadeau en dollars là-dedans. On va pas pauvre pour ça. Li Matthieu 54 pour aller pour mon bagage. Matthieu chapitre 5. Yeah. Verset 34. Yeah. Il y a mon gars pointé note, mais on nous suivre. Yeah. Même moi, alors, je vous le dis, de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Gardez bien. Israël, pas de sémenté en. Hein? Depuis le coup de la c'est vrai, il y a trois sémantés. Regardez, mettez en vain devant aucunement. Placez pour Israël en vain, ne pas sémenter, ne pas jurer faussement. Mais placez des thèmes ça au côté sur côté. En vain et puis faussement. Aucunement. Quitte-moi raison. C'est message les nations ça. Raison ou non, on va dire. Mais Israël, depuis, c'est pas faux. C'est vrai, ça l'a dit. Il y a un droit de mentir. Mais troisième commandement. Pour Adventiste d'accord à Rem, ou qu'on fait coup de sémant. Et les mêmes gars d'écrit, mon zéro, et pas sémant, c'est à fait. Alors, continuez. Quatrième commandement. Qu'est-ce qu'il a pris ça? Il y a le verset 8. Quatrième commandement. On nous place nous devant quatrième commandement. Oui. Songez sujet. Les adventistes du septième jour observent-ils vraiment les dix commandements de l'Exode 20? C'est une question posée. Est-ce que les adventistes du septième jour vraiment observent les dix commandements qui sont dans le décalogue là? Nous sortis la troisième, nous sortis expliqués là, depuis la première deux, ça n'a pas adressé à personne d'autre nation. Bible a précisé pour le dire à Israël, peuple qui sortit en Égypte, qui était en esclave pendant 430 ans. Peuple que mon Dieu te dit à Abraham, je ferai de toi une nation. C'est à elle qu'on s'est intéressé. Quatrième commandement. Exode chapitre 20, verset 8. Verset 8. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Alors,
Fonti Kembela. M'lo souligne tout. Bam ici al sou deux moun sa yo. Bam al se sou deux moun sa yo. Frère serviteur aide-moi. Sœur Hélène, Sœur Ali, souviens-toi. Bon, bien dit. Madame Dieu veille, Sœur Hélène, souviens-toi. Ça vous dit? C'est souvenez-vous. Bon, Adventiste, dis-moi pour qui ça l'éternel, en façon foule, il dit souviens-toi. Et pas loin pour Adventiste là, et moi pour l'union. Pour me connaître si son verse, si son règle en droit, si son règle médecine, c'est qui ça lié, qui règle lié, pour m'en façon foule, pour me dire souviens-toi, et puis me pas faire faute. Songez toi ici de remplacer Israël, la nation Israël, la nation Israël. Il n'y a pas de nation là-dedans. Ici, Dieu dit à la nation Israël, souviens-toi. Ça c'est leçon que nous voulons prendre là-dedans. Commandement ça n'a pas aucun rapport avec les peuples, mais avec la nation d'Israël. Point barre. Ça n'a pas gagné. Aïe, Adam. Oh, excusez-moi. Frère Tony Vimbalo, s'il vous plaît. Mme Dubaï. Un petit moment. Merci. Excusez-moi. Parce que je vais me communiquer là. Et maintenant, est-ce qu'on sait bien? Souviens-toi. Quatrième commandement. Bon Dieu d'Israël, songez. Tendez bien. Premier bagage m'a souligné. Pas premier bagage, il y a souligné. Commandement ça yo, pas de chambre coexister au monde. C'est pour la première fois. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ça c'est pour la première fois. Ça saute l'embouille, bon Dieu. Il pas trop j'en dis à aucun autre peuple. Et c'est pour la première fois il dit à un peuple, à Israël. Songez. Voilà. Suivez même. Maintenant, je la cinquième commandement. Et ça? Non, c'est la quatrième. Souviens-toi, c'est le quatrième. On y a la cinquième commandement. C'est la cinquième commandement dit. Verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Ok. Jusqu'à présent, tu vous souligner honore-t-on. Honore-t-on. C'est pas honoré. Bon Dieu, tu en face, il y a une seule nation. Allez, une seule nation. Un quatrième commandement. Et où est cinquième commandement? Où est cinquième commandement là? Pendant ce temps, il y a ma papa. Et faire ça. Pendant ce temps, l'on a des bagailles qui tombent dans ma main petite là. Il saute sous maman, sous papa, la fadilité. Ok. Ok, yeah, all right. Maintenant, jusqu'à présent, commandement ça, ou bien, Nouveau Testament reprend pour nous.
Nouveau Testament reprend commandement ça pour nous. Dans le Nouveau Testament. Honore ton père et ta mère. Nouveau Testament reprend le bon. Ça, c'est combien de commandements de Dilié? Cinquième. On nous prend sixième commandement. Ça le dit. Sixième commandement. Dans le verset 13, allons regarder ensemble. Allez. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Vous parlez de l'autre bail d'Eli? Non, non, c'est seulement ça. Ok, tu ne tueras point. Où est le commandement ça? Tu ne tueras point. Bientôt, nous allons dresser un parallèle pour vous. Commandement Christ by l'église là. L'église à travers laquelle Dieu fait appel à toutes les nations. Tu ne tueras point ça. Tendez bien, ça le manque la donne par rapport à l'Ancien, par rapport au Nouveau Testament. L'Israël, pas, Bible a dit, pas mettez-le en colère. Pardon, pardon, tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Pas tuer. Pingon tuer même. Mais attendez bien. Les Israélites commettent un erreur. Par exemple, les tuyaux moun, ils ont dérapé d'elle, l'an aïe pour aïe dans Bouddha. Depuis le pagan est entré, l'ambassade, a tué le tout, papa. Non? Pas tué, mais il n'a pas fait attention. Jésus n'a pas commandement dans la Bible. Tendez bien. Bon, mon bagage. Jésus n'a pas aucun commandement dans la Bible qui dit tu ne tueras point. Bon, fini. Jésus n'a pas un commandement dans la Bible qui dit tu ne tueras point. En un mot, l'église là n'a pas un commandement dans la Bible que Bible. Excusez-moi. Bible dit, Jésus dit, tu ne tueras point. Jésus va un commandement comme ça pour l'église là. Il va gagner ça. Il va gagner, tu te souviens, souviens-toi du jour du repos, il va gagner ça. Tu ne tueras point, Jésus va gagner ça. Pour l'église là, il va commandement l'église là. Bah, ça va être trois élémentaires pour l'église là. Ça, c'est qui commandement lié? Sixième. Commandement, ça va pour l'église là. Christ va un commandement, tu ne tueras point. Bon, septième commandement. Septième commandement, il dit, quand on a lié ensemble avec nous, c'est dans verset 14. Verset 14. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne commettras point d'adultère. Toujours son lié tu. Bon Dieu en face aux nations. Tu ne commettras point d'adultère. Tendez bien. L'église n'a pas un commandement. Tendez bien, je vais défi toute année à net. Nous étions avec tout le monde pour finir. Jésus n'a jamais un commandement qui dit l'église là, tu ne commettras point d'adultère. Ça va exister dans la Bible. Jésus n'a pas un commandement comme ça. Qu'on y a ces points d'adventisme d'accord avec nous. Si l'on dit commandement, c'est pour le d'accord avec moi, n'est-ce pas manquer femme. Pour qui ça? Parce que tu ne commettras point d'adultère, pas vrai dit n'avoir pas beaucoup de femmes. Tu ne commettras point d'adultère pour Israël, vrai dit, pas prendre madame prochain. M'pagne doit prendre madame frère Seigneur.
Mais si dans salle là, là, il doit y avoir 20 femmes, madame, moi, tout y est, m'a adultère, d'après la loi. Donc c'est pour Adventiste là, d'accord avec. Si la loi dit commandement, si la loi ça l'a dit commandement exode là, c'est pour le d'accord avec lui, pas manquer femme. Et pas manquer vrai. Pour qui ça? Parce que d'après 10 commandements, d'après la loi, il y a des femmes par le dit adultère pour vivre que je ne pas prendre l'année prochaine. Pour me faire plus lumière pour. Pour me faire plus lumière pour. Parce que peut-être pendant qu'on a parlé là, trois jours, tu arrives et puis tu vas aller me faire une lumière. Attendez bien. David, qui te gagne la meltune comme était à point d'adultère, environ 100 femmes. Bible a pas remis l'adultère. Sans femme la bambouché, Bible a pas chambrer l'adultère. Mais elle prend l'adultère. Aidez-moi non qui est l'adultère. Il prend l'adultère quand elle prend Bathsheba. Pour quelle raison fait l'adultère en prenant Bathsheba? Parce qu'elle prend Bathsheba non mais l'homme Uri, l'homme prochaine. Donc David pas adultère parce qu'elle a des femmes. Mais l'adultère parce qu'elle te prend une là-dedans, c'est madame pro, madame prochaine. Donc Adventiste, c'est pour d'accord avec ou pas manquer femme. Parce que tu ne commettras point d'adultère. C'est pourquoi Jésus n'a pas gagné la loi là, tu ne commettras point d'adultère. M'offrir la vie pour n'importe homme qui vient montrer que Jésus dit l'église là, tu ne commettras point d'adultère. Et pas comment on parle l'église là ça. Jusqu'à présent, Mbadou, est-ce que vous êtes d'accord? Mbadou, est-ce que me crève? Est-ce que me crève? Tu ne commettras point d'adultère, pas loi l'église là. Ce n'est pas commandement l'église là. Tu ne commettras point d'adultère, commandement ça trois préliminaires pour l'église là. L'imaga, c'est de force pour l'église là. Peut-être ça, avant de terminer là, côté Jésus dit l'église, tu ne commettras pas d'apôtre, le bon moué. En cas où pas de nimbo, tout très sané à bout de l'air. L'église a pas de commandement, elle est une commettra point d'adultère. C'est pire, oui, ou pas voulu étudier. Vous comprenez? Bon, je suis conscient pour me dire, ou pas voulu étudier la Bible. Donc, tu ne commettras point d'adultère. Ce commandement-là n'a aucun rapport avec l'église. Dans qui commandement est là? Septième. Qui huitième, non? Verset 15. Ça le dit. Tine de au bras, point. Tine de au bras, point. Ouais. Ouais, déobé. Pour Israël. Il n'y a pas même avec D.O.B. dans l'église là. Pendant Israël qui a plan Meltin D.O.B. à point, attendez bien. L'El bataille avec une nation, les bateaux. C'est ça, mise en garde, ils vont déballer depuis d'avance papier. Il fait un bateau, le pio, il prend tout à fait, il vire le parole. Ou par contre, coup de secret, vous n'êtes pas son prochain. Mais c'est clair. Des pour pas israélites, pareil ou pas prochain. Donc, il faut le interdit depuis d'avance pour bon Dieu deal. Pas prendre. Autrement, le bateau le prend tout à fait. Et là, le bateau a songé bien. Tout le monde a point. Et tout le bateau le prend. Il n'y a pas péché. Hein? Yeah. Et puis, il n'y a pas volé. Les bateaux, les touillots, les préfonds, les paroles. Les paroles parce que ou pas pro, ou pas prochain parce que ou pas Israël, ou pas israélite pareil. Les paroles parce que ou pas prochain. Je prends le point, les pas prochain. Pour tes prochaines, prochain, faut être israélite pareil. C'est pour Adventiste, pas de loin pour Adventiste, c'est pour parler, pour dire pasteur Leclerc,
qui ont traité ma croix. C'est venu en moi devant l'assemblée à là. Prends un tableau, prends un crayon. Est-ce qu'on entend bien ça me dire? Est-ce que me clair pour vous? Je ne sais pas si vous êtes d'accord, est-ce que me clair? Yeah! Fouillez la Bible pour Israël. Israël, là, il paraît là, il bat tout. Bien battre les tuyaux, alors, il y a un commandement qui dit tu ne tues? Tu ne tues à point. Il dit pinga ou déobé. Mais lui-même déobé Israël. Pour le déobé le volet, c'est s'il déobé Israël, il paraît. Christ va un commandement comme ça pour l'église là. Nous parlons de décalogue. Nous parlons de commandement. Et vous êtes d'accord, toutes les qui disent un commandement pour être d'accord, vous êtes volé. Vous n'êtes pas volé. Adventiste pareil, vous êtes volé. Parce que le commandement dit c'est prochain, vous ne pouvez pas prendre. Affaire prochain, madame prochain, vous ne pouvez pas prendre. Depuis pas madame prochain, vous ne pouvez pas dire le temps. 5, 6, 7, 8, 15, 20 femmes, vous ne pouvez pas dire le temps. Vous avez l'autre commandement? Qui est l'autre commandement? Hein? Neuvième commandement. Il dit, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain. C'est toujours même bagaille là, son lié prochain. Okay. C'est la fête prochain, ça, attendez. Lors Jésus-Christ vient avec parabole du bon samaritain. Il prend exemple bon samaritain pour le montrer l'église là. Ou pas besoin de l'église là même pour ses prochains. Moun qui tombe pi prèm dans le prochain. Il était papam, il pat papam, il était frèm, il pat frèm ou c'est pour prochain. C'est message Jésus-Christ à ça. Israël ou pas israélite ou pas prochain. Wap mouri. Et bientôt pour nous chercher pour vous, pour dépiser ça Israël pas manger, il pas bon non. Bible a dit vent étranger sur moto là. Et ça que la Bible là. Ça bon Dieu dit, pas manger, c'est lui-même qui pas manger pour lui. Mais prochain, vendre les balles. Vendre les balles. On va dans le décalogue nous-mêmes. Nous allons dans le décalogue. Jésus pas bon. Jésus pas bon. Non. Pas prendre madame prochain. Non. C'est pas prendre femme même que chaque homme est. Dire cela non. Et que chaque femme, alors depuis longtemps, femme n'a été toujours mariée. Mais monsieur, ce n'est pas une question de sa femme, c'est une question de ses femmes, pourvu que lui ne pas prendre l'homme ou l'autre garçon. 20 commandements. Mouret ton dixième. Ça le dit. Verset 17. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Oh. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, voilà. Ni son serviteur, ni sa servante, yeah. Ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Ton prochain. Tout ça est là, prochain. Prochain, ça n'a pas voulu dire l'autre bagaille, Israël. Après ça, au chapitre tombé en bas, mais Israélite là, il y a eu l'épée, il n'y a pas péché parce qu'il n'y a pas prochain. Donc, 10 commandements, ça, l'église n'a pas aucun rapport avec les adventistes. Ils sont, ils vont avec n'importe adventiste. Sous route, la Bible prend pause, ils ne savent pas ça passe. La Bible dit, mais bon, sous pas qu'on ça passe, la Bible, en présence li de Rome. Une chita de Rome avec la palais Bible en main, pour me tendre son abdil. Depuis d'avant seulement dit yo, à la vérité, pasteur n'a pas qu'on lit. Je me dis, à toute vérité, que n'a pas qu'on lit. Mais viens là. C'est ça qui fait que viens là, devant nous, pour nous protéger. Je me dis, je vais me dire, pour nous faire un petit signe, pour nous mettre en rebouche. Parce que le travail, c'est que ça, c'est des gens pour en rebouche. Pour garder, on mettait bon en Bible sur eux, il a cherché vieille langue, des grecs, des latins, des causes. L'église met 10 commandements. 10 commandements dans le décalogue là.
ou pas aucun rapport avec ça. Question à poser, est-ce qu'il y a adventiste observé ça vraiment? Si oui, et pour le d'accord avec nous là. Sac baljou, qui est-ce qui ballon jou? Lui-même, il traite nous, mon cap, adorer la bête. Sac baljou, ça vaut le souviens-toi, pas de l'autre nation là-dedans. Nous seul peuple, Israël. Et pour la première fois. En bref, toute la loi, tous les 10 commandements, Israël te recevoir pour la première fois. Ça va deux ni trois fois. Première fois. Une seule fois. Sinon qu'avant la mort de Moïse, n'est-ce pas, pral gon répétition, même commandement. M'bagne plus non, mettez. Yeah. Yeah, non. Et m'adaptant des conférenciers avec beaucoup d'attention soutenue. Et il était touché une référence, Genèse chapitre 12, que m'a suivi jusqu'à ce qu'il mette fin. Il ne va faire aucun commentaire sur lui, s'il vous plaît, madame. Il y a une idée sur lui. Genèse chapitre 12. Genèse 12. Genèse 12, nous t'es touché. Pour. Alors, songez, c'est dans 10 commandements. Ok? Nous t'es touché, Genèse 12, pour me montrer nous. 10 commandements, ça a bon Dieu, bail là. L'Ipral bail à un peuple qui n'a pas jamais coexisté. Alors, Adventiste dit, bon Dieu te bail commandement à toutes les nations de pour le monde et monde. Non, dit c'est menti. Pour la première fois, bon Dieu pral choisi un homme. Il n'y a pas de peuple sur la terre. Bible a dit, Dieu a jeté, le verset méchant, les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple. Ce n'est pas deux peuples. Genèse chapitre 12. Acte 15, verset 14. Dieu a jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles, elles, les nations. Hein? Un peuple qui porte mon nom. C'est seul Israël parmi les nations qui porte le nom mon Dieu. Il n'y a pas de gens qui ont une nation sur la terre. Quand on nous montre, la nation ça va le former à partir de petit Jacob. Pendant le départ de la famille de Jacob pour la destination d'Égypte, placez-les devant Genèse, que m'était bon chapitre 15 là, ou bien chapitre 13, verset 15, ou bien 15, verset 13 là, ou après que ces nations ça même qui sortit en Égypte après 430 ans. C'est lui même mon Dieu te dit Israël, pardon, te dit Abraham, je ferai de toi une grande nation, pas une deux, pas une trois. Israël, est-ce que me clair? Merci pour remarque là. Bravo. Grâce bon Dieu avec vous. Moi dis bon Dieu merci pour pasteur yo pour un sujet qui est vraiment important. Allez, mes questions maintenant. À travers Exode 20 pasteur nous te rallé tout à l'heure, il était par premier commandement, deuxième commandement, ensuite suite l'arrivée dans 4e, 5e, mais yon remarque que me fait moi-même personnellement. L'arrivée dans 4e commandement, il dit un bagaille. Il dit souviens-toi du jour du repos. Oh, là nous te prend premier, deux, ensuite 5, 6, 7, il pas dit pour lui. Allez, dame passe, me ta faire lumière pour moi dans sens ça. Oh, est-ce que lui? Est-ce que ça? L'air attendez, c'est pour attendez. Pour qu'on est. Pour saisir, pour comprendre, jusqu'à ce que sous besoin de lumière pour qui qu'on doit aller. Parce que parfois on dit bon, si j'ai tellement clair, on ne va pas poser des questions. Souvent tout tellement pas comprendre. Tellement pas comprendre. Ça veut dire que l'Iwe là, sous le 4e commandement, l'Éternel dit souviens, il dit quel parole souviens-toi, répétez sous. Sous l'autre, et son preuve pour
pas gen aucune loi ti commandement te bay à aucune autre là avant Israël, parce que c'est seulement sous souvient 3 pardon sous 4e non li dit souvient 3 c'est parce qu'elle pas de courant bay yo. Alors ça veut dire que s'il dit souvient 3 sous 4e non, c'est qu'elle te bay li. Mais ça qui est important, Adventiste d'où li te bay souvient 3, ça fait le dit souvient 3, c'est depuis le jardin d'Eden li te bay commandement. Tendez bien, tendez bien. L'église en présence nous là m'offre m'ba Adventiste. Si Adventiste vient montrer me côté commandement ça ba ça, t'es observé par yon moun. La Genèse me fait rete avec Adventiste. Mal servi au tioul. Et puis mal observé ça ba avec. Seul conseil m'ba nous, les mal joine ou parler ou même ba quitter me perdre pour contre moi. Vous comprenez la média là? Parle sur moi parce que ou a perdu. Parce que depuis Adventiste sauvé qu'on aime moi même pas sauvé. Et si me sauvé, Adventiste pas sauvé parce que pas gain de pas gain de sous salut. Point barre. Eh bien, souviens-toi ça, mais ça que fait bon Dieu dit, souviens-toi sous quatrième commandement, li pas dit sous l'autre. Li pas dit, li dit sous quatrième commandement parce que selon Exode chapitre 16, pendant Israël sorti en Égypte, après un mois environ, bon Dieu prend le bal sabbat pour la première fois. Le chapitre 16, prend verset. Vous m'avez tout chapitre là. Mais là, arrivé avec soin le verset 23. Arrivé juste le verset 27. Ou après bon Dieu bal sabbat pour la première fois. Et puisque l'issue de Balil pour la première fois dans le désert de Sin, comment il y a encore? Eh bien, hein? Et, en Elim et Sinaï, Sinaï, mon côté le pral bal, tout 10 commandements, le la bal commandement, yo, puisque premier, deuxième, troisième, li pat kouyam bal yo, li pat disouvien droit. Le rive, sous Saba, quatrième non, li disouvien droit parce qu'il saut bal li. L'arrivée sous 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, il n'y a pas de souviens-toi parce que. Parce que. Donc, voici qu'il y a un mensonge. C'est Adventiste qui vous le mensonge. Quand il y a un fin de temps, il n'y a pas de ranger bouche. Mais ranger bouche, malheureusement, tout ouvrage est la même déjà. Tout sont écrits, tout la même. Tout écrit la même là. Et il y a des albanais, on va les guider. On fout le livre là-dedans. Traverser là moi. Excepté tête moi. Ouais, livre ça, excepté tête moi. Même si tu perds un bras, je ne perds pas. Excepté tête moi. Ou qu'on débite tête coupée par la vie. Excepté tête moi. Je ne perds pas. Parce que l'on adventiste vient là. Chaque salle dit ma parole, on livre, je vais le boli. Et on a eu ça de faire pas venir. Chaque bêtise, je recevoir ma. Ils ont répété ma parole, on livre. Je vais corriger ça boli. Est-ce que nous comprenons la question que tu as posée maintenant? Est-ce que nous comprenons la réponse là tout? Souviens-toi, c'est pour qu'on ait le bien. Bon Dieu, bah, je me dis souviens-toi sur l'autre, neuf commandements. Pour qui ça? Parce qu'elle n'a pas de cause jambayo. Lui dit souviens-toi sous quatrième nom. Parce qu'environ un mois de cela, il était bayo l'andé. L'andé Zéa, avant d'arriver sur le mont Sinaï, côté le pral bayo, l'autre neuf commandement. Est-ce que m'kaye? Yeah. Ok, ça dit, vous l'avez ouvert l'estomac. Vous avez le bien en bas. Question. Monsieur le panéliste, bonsoir. Bonsoir l'église. Pasteur, moi j'ai deux questions pour vous. En dépit de tout ce que vous venez de dire,
Madame Hélène Gerouat, fondatrice de la Société Adventiste du 7e jour, ex-membre baptisé de l'Église Baptiste, dans l'un de ses ouvrages intitulé « Événements des derniers jours », il a déclaré, et nous le répétons, « Les Adventistes du 7e jour croient qu'ils ont été appelés par Dieu à proclamer à un monde confus et moribond la bonne nouvelle du prochain retour de Jésus. » Qu'en pensez-vous? Je peux prendre la deuxième question? Non. Ok. Pas de l'église. Ma résumé, alors qu'il y a un bagage, je ne suis pas absolu pour me dire de façon absolue. Je ne suis pas dit de façon absolue. Mais depuis côté au dos, Madame White a dit, et dit, Madame White n'a pas de temps pour dire rien. Tout ça après la mort, il y a avec lui pour lui. Madame White n'a pas de chance pour dire rien. Il y a un nègre qui a écrit pour lui. Parce que si catholique a sa déesse, souvenez-vous le nom de la déesse du catholique? Marie, l'Adventiste aussi, à sa déesse, Madame Hélène White. C'est normal, vous dites ça, dédi. D'abord, Madame White, quand elle a parlé de Jésus, elle dit pas que Jésus pas nous, parce que Jésus pas nous a monté dans le ciel, elle dit pour que tandis que Jésus, Madame White, là, il était retourné le 20 octobre 1843. Donc, là, on a parlé de Jésus, Adventiste cherche un coton, mais t'es quoi? Est-ce que je me dis? Claire. Deuxième question, pasteur. Ça, un petit peu pour vous laisser, je me fier dans le bain pour que je me pose des questions. Parce que moi connais une église Kafou qui t'a gagné 5 pasteurs dans la tête li, qui t'a vint déboucher sous un gros conflit dans l'année 2010 avant tremblement de terre. Après événement, yon la dan yo pour le pape di net li entré dans yon l'église Adventiste avec madame li. Petite li, qui était tout près l'église Lia. Bien que l'église Adventiste ça te connaît où elle a célébré mariage, enterrement, baptême et autres. Yo dit pasteur avec toute madame li pour yo accepter yo comme membre Adventiste, faut que yo rebaptisé et retourner comme sept croyants. Est-ce que Aksa li biblique? Sinon, qui ça qui t'a derrière acte discrimination ça? Sachez que merci. Notre averti, c'est pasteur Lucner et ses collaborateurs malonti humble yo. Allez monsieur, non, Vous avez une question ça? Oui, alors, il pose une question songe. Question posée, hein, c'est nous-mêmes qui avons essayé de répondre, c'est par un fait biblique. Ils vont faire biblique. Vous comprenez ça, je dis là? Ils vont faire biblique. Chita, Soli, vous dit, mais ils ont une référence biblique sur que ça veut Chita qui fait agir comme ça. Premier bagage, besoin quand même. C'est peut-être nous-mêmes, chrétiens, protestants, pensés, adventistes, c'est le monde qui n'a pas Dieu. Mais Adventiste, par contre, on a fait bon Dieu. Dit tout, non? Pour Adventiste, alors, dans l'époque là, la loi était là, c'est grec, nous y est. Grec, ça veut dire nation, par contre, bon Dieu, qui n'est pas Israël. Donc, dès pour sortir dans le grec ou dans Adventiste, normalement, tout ça est demandé, c'est pour faire. Il faut commencer par zéro pour arriver dans le sang. Et c'est ça, Adventiste. Donc, pour Adventiste, alors, raison qu'il fait ça, c'est parce qu'il ne reconnaît
l'autre religion, c'est tout protestant, il ne pas reconnaître pour rien, absolument rien, pas dans bon Dieu. C'est païen et qu'on a rentré dans l'église adventiste ou bien dans le temple qu'on a fait passer dans le couloir qu'on doit passer pour l'accepter. Et raison ça. Mais comment vous demandez bien? Vous songez que l'idée dit faut nous rebaptiser? Ah! Vous bien. S'il dit m'a rebaptisé, il fait preuve. Son bon baille, c'est nous qui jouons. Mon question m'a posé, est-ce que l'on a construit tant que ça, nous te dit n'a reconstruit? L'on a construit tant que ça, m'dou, est-ce que nous te dit n'a reconstruit? Pour qui ça ne pas dit n'a reconstruit? Parce qu'elle va être là. Mais si Adventiste dit n'a rebaptisé, c'est parce qu'elle connaît, elle était bien baptisée. De pour mettre rien en bagage, c'est qu'elle était là déjà. Est-ce qu'elle me crée? Yeah! Alors, le normal, attendez bien. Si poule pas qu'à venir coucou, mais un bon chrétien qui a venir adventiste. Si pentade pas qu'à tourner coucou, mais un chrétien qui devient adventiste. C'est pourquoi moi dit, si yon adventiste vient là devant nous là, m'a très saravel, me promet ça, très docile. Mais si adventiste vient là, qui répond à une question, me pose elle, m'a suspend chrétien, et puis m'a fait adventiste. Moi dit ça parce que me connais pas capable. Ni pas venu. Et 17 ans, même de dit m'a fait appel à adventiste, oui. M'vle adventiste reconnaître, tendez bien. L'aime te gagne 26 ans, tu as eu Paulette Saint-Hilaire. Tu as eu troupe théâtre. Tu as eu ascendant troupe théâtre. Paulette Saint-Hilaire, c'était une la principale actrice qui a eu la danse et adventiste. Je me toujours montré, mon yo, je dis fais attention. Même si je ne suis pas jamais adventiste, mais pas trahi foile. Les poils pas de manger viande cochon, l'a fait journée avec nous, avait-il que n'a mette viande cochon. Mais à cause lui-même, si nous pas l'autre manger la balle, pas mette viande cochon. Respectez ça. Paulette Saint-Hilaire, attendez bien. Les Paulette Saint-Hilaire en face moi. Moi, je vous dis, attendez bien, c'est Paulette. C'est pas que je vais vous vérité la main, mais je dois respecter foi. D'abord, il n'y a pas Louga, il n'y a pas Bizango, il n'y a pas religion. Je dois respecter ça. Ok. L'Elgade Lioël, bon, Timon, il va comme on va soin. Tendez ça pour l'être Saint-Hilaire, offrim. L'offrim pasteur. Li. Bon, si t'es non pasteur, bon. Tout le jour, il m'a répété non pasteur. Et non, le fait l'embouchement là. Pasteur Marc Charles. Marc Charles. Il était pasteur adventiste dans l'église Chanmas. Environ 8 à 9 mois, chaque fois qu'il sort de l'église, pour l'être mettre pour moi en mail, pour le faire étude avec lui. Il pensait sans façon, si mon lié, l'elfine paraît, moi, je vais le prendre pour testament en balle. Tandis que chaque fois qu'il paraît, je vais l'attaquer en adventiste. Régulièrement, côté le finir, soit adventiste mal chercher pour montrer, parce que je ne sais pas qu'on montrer, mais menti, pasteur là-bas. Pasteur Marc Charles, s'il t'a vivant toujours, allons-nous l'abdoué. Il était un petit négolé, Luc L. Joseph, qui fait environ 9 à 8 mois à étudier avec elle chaque samedi. En tout cas, si y a le fouillé, il y a devant un pasteur qui était pasteur de l'église adventiste. S'il t'a mouru, il était Marc Charles. S'il rira, ma parole devant l'absolu. Oh, Bible. Par conséquent, par conséquent. Donc, qui s'est là encore là? Oui. Il était rebaptisé parce qu'il était bien baptisé. C'est normal.
c'est poloyé ou albami coucou. Même si c'est poloyé, ou abdé un coucou. Yep. Oui, là, c'est une question très brève que m'avait posée. Est-ce que l'église là pas doit dire tout ces menti? Vous entendez les questions? Lydie, est-ce que l'église là, parce que montrer faux serment, je t'ai parlé des serments, dans le commandement, 10 commandements, alors je demande est-ce que l'église là, pas de droit à sermenter, panel, vous avez une réponse? Pour son belle question, parce que soit regardé dans Exode, dans l'appétit de l'après-midi, li bay accès pour ou sermenter, il suffit qu'il y ait raison. Pour aller au nom de l'Éternel en fait. Mais l'église là, li même Bible n'a pas recommandé ça. Attendez ça, Bible a dit. Dans Matthieu chapitre 5. La Bible dit dans verset 33 et 34, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Je dis maintenant ancien, maintenant décalogue, maintenant Israël, maintenant Ancien Testament. Mais ça a grand été dit. Tu ne pagiras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Ou soit tant de talent, conférence a te dit ou. Si vous campez dans le décalogue, dans Exode chapitre 20, eh bien c'est normal. Ou pour sermenter et constater ou pas de sermenter, il suffit que vous avez raison. Mais depuis que vous avez raison, je vais sermenter. Si je n'ai pas raison, je vais prendre non, mon Dieu, en vain. Mais sa Bible dit, comme vous êtes en train de dire ça, mais moi, ou est moi ici, entre parenthèses, Jésus. Mais ça, Jésus a dit l'église là, et mais ça, non, moi comme loi. Si on te dit ça, mais moi-même, mais ça me dit. Ouais. Binga ou j'irai aucunement, bigo, sermenté, quelle que soit façon, qui tout a raison, qui tout a raison, aucunement, je le dis, pas sermenté. Et c'est sa parole l'a dit, que votre parole soit oui, oui, non, non. Moun vle quoi, li quoi, li va vle quoi, quitter le ciel comme témoin, li compte à la fin. Donc l'église là, lui même, qui te gen raison, qui te pas gen raison, moi j'ai dit, Jésus, il n'a pas besoin de sermenter, pas pour qu'il n'a lié ses gueules contre tout bagay, la bonne justice. Tout simplement, quand il s'agit de dire oui, chrétien dit oui. Oui. Quand il s'agit pour lui, non, point barre et puis le fini. Non, non, faut t'avoir une amie quoi. Une amie quoi. Et expression qui dit. Presque toutes ces expressions ça. Ni par le ciel. Ok. Parce que c'est l'étonne de Dieu, je ne vais pas prendre ça. Ni par la terre. Okay. Parce que quelqu'un qui prend le ciel là comme témoin. Okay. Comment? Ça veut dire il y a un droit depuis qu'il y a raison. Il y a un droit d'il prend le ciel là, c'est ça. Jésus veut dire oui là. Il prend le ciel en témoin, il s'est monté. Okay. Il prend terre en témoin, il s'est monté. Il prend nom bon Dieu depuis le sentier de raison, il s'est monté. Il prend tête lui, il s'est menté. Jésus même, il dit, nous pas nous devons faire ça nous-mêmes. Pas prendre le ciel là parce que c'est trop de mon Dieu. Tandis que Israël te prend. Depuis la guérison. Okay, okay. Pas prendre terre parce que c'est marche-pied. Israël te prend parce qu'elle a guérison. Pas prendre tête ou parce qu'on ne peut pas même un bon cheveu dans tête ou. Ben non. Est-ce qu'elle nous clair? Est-ce qu'on est voilà. Marche-pied. Marche-pied. Mais terre. Terre. C'est si bon Dieu okay. Met pied ou pas qu'il doit prendre. Okay. C'est pourquoi Jésus dit aucunement ou pas qu'il doit prendre ciel ou pas qu'il doit prendre nom mon Dieu ou pas qu'il doit prendre tête pas
pour faire serment, mais commandement Christ là. Donc c'est pour Adventiste d'accord avec nous. Quand il s'agit de faire serment, depuis la guérison, il dit moi-même Adventiste, si je connais de faire ça, on est crasé même par la monde comme ça. Oui, il y a un droit. Oui, il y a un droit. Question, question. Ok. Bon, parce que moi, j'ai une question là. C'est soit faire commandement, honore ton père et ta mère. Or, si Israël a un commandement, amen, le sabbat. Or, la Bible a dit, honore ton père et ta mère. Si Timonta a rencontré maman dans la désobéissance du sabbat, quelle sera sa position? Alors, à la vérité, je ne sais pas si on a une position étatique. Il y a des gens qui sont placés pour ça. Donc, même japonais, si je suis un bon monde, soit le taf Ponzac, je n'ai pas de droit moins pour faire rien et mener la justice. Et la justice a décidé de soler. Il en est de même. Si Timon a été maman a violé la loi, ce n'est pas Timon en soi. Mais il y a une loi qui dit qui j'en peux faire. Est-ce que là, il y a des gens qui sont placés pour ça, si il y a des gens qui sont placés ça, c'est la loi liée, nous devons respecter et la loi liée, nous ne pouvons pas dire. Et même Jean Founia tout, en nous prenant le clair. Si on dit mon ou maman ou bien papa, va les amener tout le monde. Même si c'est papa. Mais ce sont citoyens honnêtes liés. L'a dit oui, c'est papa qui tue mon nom. Et la justice a décidé. Qui ça pour faire avec papa qui tue un monde? Mais c'est pas déshonoré. Il n'est pas déshonoré pour ça. Ok? Il dit ça là. Bien. Je comprends ça. Ok. Question? Si pas une question. Il faut l'avoir une question. Une grande question là. Ah oui. Oui. Et, ok. Comment venir dans la prochaine question, Simon? Hein? Son petit monde qui m'a dit qui ça a Zilter yé. Ok, tu veux dire, qui a animé là? 2022. En 2025, ou comme là, si je suis là, passe cette soirée là, non, n'a pas là. 2025. Si je suis là toujours, en attendant, après service, je viens prendre surette. En attendant, je suis là, ça veut dire, t'as qui ça, Dilte, son petit monde qui question ça. Ok, n'a pas répondu. Pour qui ça, Adventiste, pas manger, viens de cochon. Bien, alors, pas dans le sujet, à nous, à la vérité, mais son question d'Adventiste. Avec. Toutes sortes qu'on va poser sur Adventiste, on va taper hors du sujet, non. Mais nous avons une ligne bien déterminée. Pour qui ça Adventiste par moi, Yvan Cochon? À la vérité, je ne vais pas pour Adventiste longtemps. Yo. Mais, ça, moi, là, actuellement, Cochon n'a pas fait trop mal. Alors, mon qui pose la question, c'est tout dans Lévitique chapitre 11, où tu vas répondre. Bamdo Adventiste par nous, si vous n'avez pas mangé viande cochon, c'est parce que vous manquez lit ou du moins vous ne pouvez pas comprendre. On a les pour nous, dans verset 7 là. Il dit, vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fendue et le pied fouchi, mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Ça, ou poser comme question, je pense que c'est pour tout le monde. Je regarde dans le pays, le cochon qui est là, est-ce que vous avez un cochon? Oui, je connais. Il y a pied fouchi, pied fond. Et puis, cap ruminer, manger. Si le cochon nous ruminer ou non, la Bible dit, il ne faut pas ruminer. Et faut piller, je connais zago bœuf qu'on fend, non? Eh bien, comme ça, faut piller, ta rete simple.
Donc, il faut regarder qui cochon. Cochon, ça a parlé à la n'a pas gagné. Par conséquent, ce n'est pas lui. Israël n'a pas d'où manger. Donc, dans ce sens, ça, si vous ne pouvez pas manger un cochon, cherchez l'autre cochon, mais pas ça qui a été gagné. Mettons-y à vous. Pour qui ça Adventiste pas manger, vient le cochon. Titre chapitre 1er. Cherchez ça, moto. Allez, bibou, voilà. Titre 1er. Selon l'Ancien Testament, pasteur Enzo saute montré pour qui ça yo basé sur cochon à con vendu. On titre chapitre 1er. OK. Lis verset 15 pour montrer pour qui ça Adventiste pas manger viande cochon. Allez. Parfois, t'as la micro-là. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillés. Voilà. Mais pour qui c'est Adventiste, pas manger viande cochon, selon Deutéronome, côté pasteur à saute libre. Non. Lévitique 11, côté le saut libre, gardez bien. Mais c'est le Nouveau Testament, mais pour qui ça va manger? Il dit, tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Ok, Adventiste, pas manger viande cochon parce qu'ils sont viande souillés. Il pas manger parce que lui-même lui souillé. Souillé, pas manger souillé. Est-ce moi qui l'ai dit? Non, je le lis. C'est pas moi qui le dis. Gardez bien. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Donc, on ne faut pas manger bien le cochon parce qu'elle est souillée. La Bible a dit parce qu'elle lui-même lui souillée. Donc, les gens souillés toujours, les bagailles souillées. Donc, ils ne souillent pas manger souillé. Promotion. Oui, question c'est en rapport avec les viandes cochon. Oui. Mais nous apprenons que cochon a un verre là-dedans. Le ou manger viande, le même dans la cuisson, il n'est pas jamais cuit. Il a une bonne maladie, verre par la suite. Je ne connais pas. Bon, en tout cas, je ne vais pas les trois kembe sur ça. Romain 14. Allez, je ne vais pas les trois kembe. Ni je ne vais pas toutes ces questions, je ne vais pas les répondre. Nous ne pouvons pas laisser arriver non. La Romains 14. Parce que, bam nos bagailles. Bam nos bagailles. Et, écoutez bien. L'homme a montré un verre qui est dans le cochon. Ça, c'est un bagaille sanitaire. Ah, bah vrai? Même la question de loi. Donc, monsieur, m'obligerait pour nous rendre ça. Pour nous combler certains vides. Gardez ça dans nos lits. La Romains 14, 14. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure que pour celui qui le croit impur. C'est moi qui le dis? Non! Bible a dit, rien dans sa bonté créé pas qu'à impur. L'impur pour les gens qui croient l'impur. Point bas. C'est ça, Bible dit. C'est moi qui dis ça là. Ben, je ne vais pas manger viande pour telle raison. Mais montrer c'est parce qu'elle est impure. Bible a dit, parce que les gens dans lui-même sont impurs. Alors, regardez poule. Adieu, papa. Oui, allez, question. L'église mon Dieu bénit nous. Patientez, comprenez-moi, raison, mais Adventiste, ce n'est pas pour raison santé. Oui. Il n'y a pas mangé viande. C'est pour raison. Vous nous avez dit là, passer à mon tour là. Ok, vous même sans raison de raison sanitaire. Vous dites ça, ah pas vrai. Mon pas condamné, ça m'a dit créer. Mais lui-même lui montrer où.
Son doctrine liée même pour lui. Son doctrine liée. Vous sanctionnez ou mangez. Est-ce que vous êtes clair? L'église, bonjour, bénis-nous. Moi, je dis merci avec intervenant l'après-midi. Pasteur, je vais vous faire lumière pour moi sur Exode 20, verset 10. Là. Qui dit comme ça? Mais le septième jour. Ouais. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton servante, ni ta serviteur, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans la porte de tes... ni l'étranger qui est dans tes portes. Yeah. Moi, juste dans... doute de ça. Parce que qui ça moué de verset 10 là? Moué, bon Dieu te dit, peuple Israël, yo, mais ça pour yo faire, mais ça yo pas doué faire. Mais qui sont pensés, pasteur, pour Adventitio? Donc, est-ce que pas gon limite, bon Dieu te baye, peuple Israël là pour yo sorti, pour y aller l'autre côté? Qui sont pensés de yo même, qui prend machine, yo dit yo sou doué yo pas toucher, mais yo paye chauffeur? Ok. Merci, merci. Merci. Et vous semblez avoir dit mon cas à l'école, ou réussi à caner en main, mais professeur n'a pas empêché ou poser la question. Mais directeur va songer que vous réussi. Mon fin dit lui, n'a pas tourné son même sa note d'eau là. Non seulement Rémakoua valable pour 10 adventistes là, mais même son besoin de Kembe. Sans lié à l'al, pas de aucun rapport avec vous. Songez bien. Souviens-toi du jour du repos. Ça a l'air clair en mer. Alors qu'on y a l'or fini, on a dit Adventiste là. Bon, non seulement ça n'a pas de pour, mais ou même qui prend corps ou fourré là-dedans, Israël pas de dépasser combien de kilomètres? Un kilomètre. Là où arrivez. Tandis que vous-même, vous passez Port-au-Prince à Léogane. Combien de kilomètres? Oui. Ah, oui, c'est ça même. Ok, un kilomètre. Maximum. Chemin du sabbat. Quand on a l'offre de montrer le boudil, songez, ton, l'étranger qui est dans ta porte. Ok, montrer que moi je suis Israël. Mais malgré ça, supposons que tu es dans vrai sabbat vrai. Le dimanche, qui distance ou pas courir? Ou monter machine, ou payer? Tout bien, quand il y a le dit, bon, Jésus dit il est permis de faire du bien pendant le sabbat. Bible a répondu. Qui ça Jésus te fait mal, je vous dis ça, elle était tout là. Parce que la Bible a dit, c'est pour ça, elle va t'observer qu'elle était tout elle. Baron Zimkaya. Donc c'est bien, ça que l'on voit toute richesse ou la main, tout simplement, un petit ajout, à pas vrai, ou qu'on est commandement ça, pas pour aucune autre nation, pas pour l'église, je dis, hein? Mais, il faut que vous là-dedans, et puis montrer, mais en train de griser. Qui compte vous habiter, madame? Regardez qui est au traversé, ou à l'adoré, ou à l'bagaille. C'est bien ça. Yeah, c'est pourquoi si Renoir lit d'emblée. Les adventistes du septième jour oui. Observent-ils vraiment? Vraiment. Commandement, dix commandements que l'Exode vient, c'est ça. Sans les noms sur le banc, il y a plusieurs mondes. Yeah. Ok, allez, continuez. Continuez, ou en question? Alors, pasteur, il y a un argument que l'Adventiste a toujours utilisé, c'est que vous dites dans le verset 10, 11 là. Alors, vous faites une liaison, là, vous dites, et bon Dieu, après création, il était reposé le septième jour. Ok, c'est ça, nous jouons dans le verset 10, 11 là. Donc, vous venez dans l'aspect général, vous dites pas pour Israël seulement, c'est parce que, il dit, bon, c'est peut-être ça. Ok? Liban nous septième jour, hein? Bon Dieu lui-même il était reposé lui, le septième jour. Donc il lui est capable de faire pour nous. Liban nous septième jour. Septième jour.
Bon, ok, d'accord, nous comprenons. Bon, maintenant, nous montrons un bagaille. Nous montrons un bagaille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept jours. Prends Genèse chapitre 2. Allez, ouvrez ça vite. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Prends ça. Quittez les mêmes lits, l'une là, une lit là. N'importe quoi, mais non, une lit là. Allez. Genèse chapitre 2. Comme ça, bon Dieu te fin fait ciel, la terre, ensemble avec tout ça qui la donne. Sous six jours, bon Dieu te fin fait tout ça l'a fait. Septième joie, les suspend travail. Les bénis septième joie, les mettent à pas pour lui. Parce que ce jour ça, il te suspend travail après il te fin créer tout ça le tap créer. M'pap tourner en français, non, m'ap rete en créole là. Combien jours bon Dieu te travail là? Six jours. Qui roule te suspend travail? Septième jour. Mon ap moun ba yo langue mon. Qui non kembel là? OK. Li suspend travail qui jour? OK, septième jour. Li français à tout. Les français à tout contre français. Genèse. Ah, il y a un problème visuel. Ok. Ok, allez. Non, Kembel là. J'étais là. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia. Okay. Parce qu'en ces jours, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bien ça. Qui différence qui gagne entre suspendre et achever? Suspendre et achever. Qui différence qui gagne? Hein? Fini. Yeah. Regardez bien. Regardez bien ça non là. Adventiste là qui presque tout est tête de ce qui me dit, il fait mentir sous bon Dieu. Mais où fait mentir sous bon Dieu, Adventiste? Bible a dit, bon Dieu travaille, c'est où? Lui fait tout ça pour le faire. C'est où? Mais l'achevé. C'est bien. Qu'on y a ouvri Bible. Ouvri Bible, la français, allez. Dieu acheva, allez. Vine non, vine là, vine là. Non. Dieu acheva au septième jour son œuvre. Regardez, Dieu acheva au septième jour. Dieu acheva quand? Septième jour. Il faut nous parler. Si on vient prendre la brève, moi c'est le plus. Dieu acheva quand? Au septième jour. Quoi? Son œuvre. Bon Dieu va finir de travailler net sixième jour. C'est ça, Adventiste, là, qui a un problème, non? Dieu fait tout ça pour te faire. Non, c'est où? Mais la Bible a dit lui achevé. Alors, parce que je ne sais pas qu'on lit, on est comme on a dit bêtises dans la tête. Dieu acheva quoi? Son œuvre. Son œuvre. Quand? Au septième jour. C'est moi qui dis ça? La Bible. Non, est-ce que moi qui dis ça? Qu'on y a? Prends verset 6 et verset 11 là. Là, l'exode là. Retournez la donne. Exode 20. Remarque l'idou l'Ifea. Remarque. Prends verset 11 là. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre. Yep. Et la mer et tout ce qui est contenu. Enfin, yeah. Et il s'est reposé le septième jour. Bien. C'est pourquoi l'Éternel a béni le septième jour. Le jour du repos. Il n'y a pas d'où là, Dieu achevé.
Non. Exode 20, verset 11, pas d'où bon Dieu achevé. Mais d'où il fait. Il a fait les soucis là. Va jouer avec moi. Il n'y a pas être là, nous avons fait bon, mais bon, pas achevé. Yes. Bon, confectionné, mais pas achevé. Yes. Parce qu'il faut le venir. Donc, je ne sais pas si ça, bon Dieu, tu fait, avec ça, pas de fait, mais Dieu dit, la Bible dit que Dieu acheva quand? Au septième jour. Au septième jour. Et il s'est reposé en ce septième jour. Pourquoi? C'est pour entre le sabbat de Dieu et le sabbat de l'homme. Bon, m'explique comme ça. Mais sabbat de Dieu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'y fait, et puis l'achever. Là, et puis le tout reposer là. Mais d'après Exode 20, verset 11, Israël travaille là. 6 jours. Yes. L'arrivée vendredi, ouais. Au coucher du soleil, c'est pour le fin de travail. Pour le cap reposer, là, je ne sais pas si suivez-moi bien. Bon Dieu achevé Evli, la septième loi, et il reposait la même septième loi. C'est ça, me lit. Israël lui-même, il travaille. Premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième jour, au coucher du soleil, les doigts finissent de travail. Pour distinguer entre le sabbat de Dieu et le sabbat d'Israël. Baron Zimgré, ça n'a aucune philosophie là-dedans. Est-ce que Zimgré? Là, Israël fin de travail. Là. Au coucher du soleil. Là. Tant vendredi, veille adventiste là pour eux. Al sur le vendredi pour eux. Au coucher du soleil, même ou pas, il n'y a pas pleuvé. Ou est-ce que vous avez passé la bêtise? Même ou pas, il n'y a pas pleuvé parce que au coucher du soleil du vendredi, il doit fin de travail. Tandis que bon Dieu lui-même n'est pas fin de travail comme ça, là le fin de travail qui est où? Moi-même qui dis ça? Non. Bible qui dit, le fin de travail qui est où? Non, l'achevé, pardon. L'achevé de travail qui est où? Et puis il commence à reposer qui est où? Jour le fin de travail là, c'est où il commence à reposer. Ça, c'est le sabbat de Dieu. C'est pourquoi il est écrit, il y a un repos de sabbat réservé. Dans un repos, personne n'est entré encore. Le repos de Dieu. Placez ça devant Hébreux chapitre 4. Allez. Hébreux 4. Pour ta percée profonde de son abdi, c'est pour nous avoir adventi ça. Et le tape sonde avant le camper. Et le tape sur le voici le camper. Et puis 4. Prenons verset 8, 9. Allez. 8, 9. 8, 9. Non, l'île en français. Le finir pour le là. Bal français. Allez. Ouais. Il est trop loin. 8, 9. Allez, allez. Car si José leur y était donné le repos, il ne parlerait. Il donné le repos, yeah. Il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Regardez bien. Où est là? Ça, c'est un adventiste qui vous vient expliquer. Là. Si José leur y donné du repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Je voulais adventiste venir expliquer autre jour ça là en présence. Ouais.
Si José l'a eu donné du repos, ça veut dire que tout le monde connaît avant la mort de Moïse, il était bail ça. Mais qu'on y a même moi, il est question de si José l'a eu donné du repos. Ça veut dire qu'on repos Adventiste par exemple, il ne va pas connaître. Moi, pour dire lui. Ça c'est cash. Ok. Alors, verset 9 l'a dit. Il y a un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Il y a un repos du sabbat réservé. Tendez bien, au peuple de Dieu. Un, peuple de Dieu, ça adventit, ça abdou, c'est lui-même. Non, vous comprenez la truc, non. Il y a un repos du sabbat réservé. Tendez bien. Une dame qui gagne 5 robes, lui mette chaque au moins 4 fois. Là, elle a parlé de robes en réserve, elle a parlé de robes. Non. Mais elle a parlé de robes en réserve. Qui robe pour parler de réserve? Robes, il va jamais. Alors, la Bible dit il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Qui est-ce qui compte la réponse à? Ou est-ce que je suis dans l'adventisme? Je suis dans l'adventisme. Repos réservé au peuple de Dieu. Gardez ça là, écoutez pour le dire. Celui. Allez, non. Car celui qui entre dans le repos de Dieu. Attendez bien, oui. Se repose. Celui qui entre dans le repos de Dieu. Se repose de ses œuvres. Se repose de son œuvre. Comme Dieu s'est reposé des siens. Comme Dieu s'est reposé des siens. Ça me dit. Ce repos réservé. Personne pour qu'on rentre là-dedans. Amen. Bible a dit li en réserve. Elle dit jour mon rentre là-dedans ou après poser même Jacques Moun. Adieu. Même Jacques mon Dieu, ça veut dire bon Dieu rentre le 7e jour li reposer, li pas jamais. Li pas jamais recommencer travail et moun qui rentre dans repos, il va jamais commencer travail. Placez ça devant Apocalypse 14 verset 13. Ou bien 13, verset 14. Entrez déjà, allez. Apocalypse. Nous avons mon jour, moi, m'adventiste. Nous perdons, me lever. Nous avons un rêve, moi, m'adventiste. Et j'entendis du ciel une voix qui disait. Qui disait. Écrit. Heureux dès à présent les morts. Oui, heureux. Dès à présent. Les morts. Qui meurent. Dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit. Hein, comment? Oui, dit l'Esprit. Afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Se reposent de leurs travaux. De leurs travaux. Car les œuvres. Les suivent. Songez. Bible a dit repos réservé ça. Ouais. Moun qui entre là-dedans, ou après reposer même avec bon. Okay. Pas de moun qui a entré dans le repos ça, pas avant qu'il ait achevé coussou dans la foi. Amen. Ou entré dans le repos. Yes. Ou fini avec la vie. Yes. Ou fin avec travail, ou fin avec ceci, ou fin avec cela, parce qu'on rentre dans le repos réservé. Par contre, c'est vrai. Amen. Alors, soit Adventiste pour démentir, c'est vin là. Moi, là, je suis là. Nous sommes arrivés dans la fin, mais nous avons deux questions à tapis que nous devons rapidement poser. Une question, c'est sous question sèmement. Et si Mouta dit en vérité, alors pour le monde qui ne croit pas dans sa dire en vérité, est-ce que c'est un péché? Est-ce que son sort de serment? Ça y est, si Mouta dit en vérité. Bon, ça c'est pas lui-même qui serment. En vérité, Jésus t'a toujours dit en vérité, je vous l'ai dit. Si on a parlé, même si on est allé à la justice, on peut m'a dit, on prend l'engagement pour me dire la vérité et en rien d'autre que la vérité. Mais si on a parlé de en vérité, ça va me dire, c'est tout bon. Non pas, ouais, c'est mort. Ni pas prendre ni ciel. Souvent, on dit, ça me dit, c'est même lui-même. C'est même lui-même, non. Donc, ce n'est pas un péché lié, ni bon. Et bon, c'est oui ou dit. Alors comme nous-mêmes, c'est pas non. Alors, tu as une question à poser. C'est pas moi. C'est oui. Oui.
Les bons me dit oui. Oui. Non. Les bons me dit non. C'est et puis me finit. C'est mon père. T'es gon l'autre question à papier. Eh bien, alors, ouais. Pendant que je suis en train de courir, salut les amis, c'est Melot Toussaint, le 10 janvier, nous gagnons Will Dodd. Alors, c'est Melot pose une question, que pas celui qui est en train de répondre déjà, nous saluons, c'est Melot. Question, la loi de Bayana Jardin de Denan. Alors, pas celui qui est lancé en livre, et puis il y a Bayana Jardin de Denan qui a vu montrer le côté la loi de Bayana depuis Jardin de Denan. Bon, ta première, ça. Et toutes les amis, nous saluons Diakonès Alouz qui a suivi avec nous. Nous ne connaissons pas jamais pas là. Nous saluons pour la Medline. Et ce Eranik Malet depuis la France, l'exhibiteur salue et nous saluons Sonia Jean. Que bon Dieu bénisse nous. Nous pas oublier ce Michelin Lacroix qui a suivi avec nous. Nous saluons la gloire de Dieu. Parce que nous avons fini avec. Alors, on va finir, non, nous avons terminé avec ça. Est-ce que si on a dit que c'est dans le nous là, est-ce qu'on a demandé pour suivre tout le processus nous? Ça veut dire qu'il faut le converti, il faut le baptiser, etc. C'est alors dit, c'est moi qui réponds à la question. Ok, bon, je me réponds à la question. Attendez bien, son adventiste vient là, est-ce qu'il m'a exigé pour le passer dans toute processus? Attendez bien. Quel que soit Jean ou homme qu'on fait exercice, Jean ou Jean Bayer, Wal, ou intéressé à entrer dans le militaire, rentrer ou entrer, ou faire tout ça. Yo mando vous faire. Pas la question des bombes qu'on mette, pas la question des armes qu'on mette. Seul bagaille, je ne peux mettre rien là-dedans. Je ne peux pas dire adventiste, je ne peux pas le rebaptiser, je ne peux pas baptiser déjà. Tout réveillé font deuxième fois. Je ne peux pas dire adventiste qui baptise. Donc, on était gagné un dernier, nous, là, nous baptisons. Bon, pasteur, est-ce que vous pensez que je vais rebaptiser? Je dis, mon cher, pas demander si je vais rebaptiser, demander si je vais baptiser. Pour qui ça? Je ne sais pas comment je vais baptiser. Parce que Jésus, pour le côté terre, il est retourné depuis 1843, le 22 octobre. Pas me demander pour le côté. Vous dire, mon baptiser, baptiser qui ça? Hein? Est-ce que je clair? Alors, donc, ici, la question dit, est-ce que je fait adventiste là? Sur, oui, oui, c'est fini. Oui, conformé au nom allemand, adjoint Frère Julio, pour bonne formation. Et puis, tant de moments arrivés, 3 mois. Et c'est chaque 3 mois, nous faisons baptême presque, pas vrai? Mais même, tant de 3 mois, vini, vini. Et puis, nous baptisons. Avant nous baptisons, nous avons demandé, n'est-ce pas, pour demander qui témoignage ou tout le bagage à Mado. Tandis que, n'importe où vont les nommés de Dieu. Je te pose mon question, je te pose des questions, je me repose tous deux là pour me terminer. Yon là d'ailleurs, yon là d'ailleurs, moi, pour qui sont raillés adventistes? Je me réponds, je me dis non, je ne suis pas raillé adventiste. Je remets adventiste, même raillé adventisme. Donc, je fais nous connaître quelques âges. En nous, je suis là, je adventiste. Je suis adventiste. Je m'apprécie adventiste. Même raï, je suis adventiste.